son évolution. Il a attendu cette Coupe du Monde, évidemment. Il a 27 ans maintenant. Mmh. Il aura 31 ans dans 4 ans. C'est peut-être le moment pour lui de s'imposer. Tu le trouves aussi fort qu'on l'imaginait il y a encore 4-5 ans ? Ben non. Dans l'ensemble, il y a une carrière bizarre avec pas mal d'irrégularités dans les performances. Alors, par moment, quand on le voit talentueux faire des trucs, on se dit « Allez, ça y est, il va passer dans la catégorie des grands joueurs ». Et dans cette catégorie-là, après chacun ses goûts, ben pour le moment, il n'y est pas encore passé. Il est dans la catégorie des bons, des très bons par moment, mais pas encore des grands. Est-ce qu'il sera un jour, maintenant il a déjà 27 ans, un grand joueur, quand je dis un joueur d'exception, comme Messi, Ronaldo, voilà, la catégorie des au-dessus. C'est trop tard, vous pensez pas, il peut encore devenir ce grand joueur. Mais pour ça, il faut enchaîner plusieurs saisons. Il est quand même intéressant. Oui, oui, c'est un excellent joueur. On aurait aimé pouvoir faire la même chose que lui. Mais là où Roland a raison, c'est qu'il faut enchaîner ces très bonnes saisons. Comme il a pu faire il y a deux ans avec Chelsea, l'année où Chelsea est champion et où il fait la diff à quasiment chaque match. Cette année-là, on pouvait se dire ah, tiens, il passe un cap. Et cette année, l'année d'après, donc la saison qui vient de passer, on n'a pas le même Eden Hazard. Alors, oui, collectivement, Chelsea n'a pas été pareil non plus, donc forcément, il est aussi un peu dépendant de ça. Mais quand on parle des très très grands, on a cité Ronaldo, Messi ou d'autres. C'est quoi ils ont enchaîné. On peut jouer, top player, bon, c'est un vaste sujet. Tu mets Ronaldo, Messi, tu mets quoi, Neymar en 3. Et ouais. Après, dans un chapeau en dessous, tu mets un Gruppetto avec De Bruyne, Hazard. Ben, Hazard, je le mets pas dans un chapeau au-dessus de Griezmann. Hein. Pas au-dessus. Non. Ah non, pour l'instant, non. Pareil, non. Même chapeau. Ouais. Plus ou moins un peu de choses près. Ouais. Ah, tout à fait, même poste en revanche.